Sortez du véhicule. Sortez du véhicule. Sortez du véhicule. À genoux. À genoux. Putain. Attention, attention à vous, collègues. Oh. Oh. Oh merde. Ça va? Oh putain de merde. Contrôle autorité, on vient de se faire percuter, on est blessé. Hey, hey les amis, c'est Massepol aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 2 de Eri sur GTA 5 Mode French. Merci infiniment à tous pour tous vos commentaires, vos petits pouces bleus qui sont apparus sur la vidéo de l'épisode 1. Merci infiniment, ça m'a fait extrêmement plaisir et je vois que ça fonctionne, je vois que ça marche et je vois que ça vous plaît. Alors c'est parti, continuons sur l'épisode 2, let's go. Et attention, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus sur cette vidéo aussi. Allez les amis, je vous laisse, passez une très bonne vidéo. Allez, gendarmerie nationale, on se met sur le côté. Veuillez couper le moteur, s'il vous plaît. Couper la gueule ou quoi? Qu'est-ce que vous branlez? Vous avez roulé comme des cons. Interception d'autorité. Vous allez vous faire démonter, hein. Allez, nous on retourne en contrôle. Allez, bisous. Ah bye. Branche pété. Oui, vous allez partir en patrouille. Vous allez être PAM. On n'a plus d'unité PAM disponible et les motards se chargeront de l'interception ainsi que du contrôle. Et vous partez en patrouille. Dans le secteur. Secteur autour de la brigade. Reçu. C'est reçu pour PAM. On aura peut-être changé de planque parce que depuis le moment. Enfin, depuis le temps qu'on est là. Juste ça, je dis rien. On pourrait se mettre au niveau du bar, hein. Ouais, je pense. Hein. Ah, vous savez quoi, c'est une bonne idée. On va demander. Attends, je vais demander. Je sais pas. Il est où votre bar? Quelle position? T. On va changer de point de contrôle, autorité. On va se mettre vers le bar sur 1105, en sortie de bar 1105. C'est reçu pour vous? Oui, c'est bien reçu. Vous gérez maintenant les contrôles ainsi que les interceptions, hein. C'est reçu. C'est reçu pour contrôle. Alors, soit on se met directement au bar, soit on attend qu'ils sortent bourrés du bar. Oh, bah on non. Va un peu plus loin. Mais là, on peut se mettre là. Bonjour. C'est long contrôle tous les bikers. Chut, dites pas ça trop fort. Ouais, mon commandant. Ici, oui, c'est pas mal. Hein. Vous changez d'identification radio, identifiant. Vous êtes BMO Nice. BMO et non Nice. Plus interception et contrôle. C'est reçu. Ouais, bon, c'est parti. Garez-vous peut-être un petit peu du dans chef. On va peut-être gêner la sortie là. Oh, ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, mais pour les suivre, c'est un peu compliqué, faut que ça soit sur des petites distances. Ouais, n'hésitez pas à changer fréquemment d'endroit, hein, messieurs, hein, que vous soyez pas signalés sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, mon problème. Oui, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on est mieux là. Comme ça, vous faites un petit peu de patrouille en même temps, c'est bien, vous faites un peu de tout. Bonjour, monsieur. On a besoin de vous sur intervention. Oui, bah voilà, oui, bien sûr. Monsieur. Ne traversez pas, monsieur. Vous faites quoi, là? C'est départemental, c'est pas un passage péton, monsieur. Circulez, là. Oh, c'est pas possible. Ouais, on va l'escorter, parce que là... Putain, vous êtes en état d'ébriété, là. Oh là là là. Voilà. Bah oui, monsieur, c'est départemental. Oh, monsieur, dans l'autre sens. Vous appelez un taxi, on l'appelle pour vous, mais vous ne traverserez pas ici. Je ne sais pas où vous êtes, monsieur.
Allez, on retourne sur le... Allez. Merci. C'est quoi, je vais prendre les vitesses dans l'autre sens. Et il roule vite hein, dans ce sens-là, putain. Bam, Nice de Papa 220. Transmettez pour Pam Nice. Et j'ai des informations complémentaires. La petite mamie serait apparemment au 1076. 1076. Oh, j'ai eu pas pisse. Tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il y avait une baston. Comment? J'ai cru qu'il y avait une baston. Ah non, non. Moi je les prends dans l'autre sens. Ah, prenez-les dans le sens que vous voulez, adjudant chef. On s'en est bien, on est caché derrière le panneau là. Il y a une voiture en sens inverse là, non? Comment? Il y a une voiture en sens inverse là, non? Putain, oui, qu'est-ce qu'elle branle? Eh, c'est notre chauffeur de tout à l'heure, on va pouvoir l'intercepter peut-être là. Oh! C'est une blague! Monsieur! Arrêtez le véhicule! Arrêtez le véhicule! Gendarmerie! Arrêtez-vous, monsieur! Monsieur! Arrêtez-vous! Troisième sommation! Sortez du véhicule! Il sort de l'autre côté. Sortez du véhicule! Voilà! À genoux! Oh mon dieu, c'est pas possible! C'est pas possible! Allez, je vous note, monsieur! Vous êtes Qu'est-ce qui vous arrive là? C'est quoi cette histoire? Pourquoi vous arrivez en contresens comme ça? Papa Nice de Pam Nice parler. Oh là. Oui, papa 220 sur écoute. Je vous menote, monsieur. Pour notre sécurité. Ouais, papa 220 de Pam Nice, donc on est sur les lieux. Oh là là. Ah, je ouais, me suis. C'est bien reçu. Mon commandant, ah bah là, ce automobiliste venait en contresens, droit sur nous. Ah. On vient de l'arrêter là, il s'est arrêté à côté de nous là, juste là. Putain, j'y crois pas. C'est quoi votre nom, monsieur? Votre nom, votre prénom? Vous avez une carte d'identité sur vous? Il y a une personne qui est en train d'être soignée là, à l'hôpital. Mais elle est dans un état critique, il va falloir la transférer. Sauf que l'hélico est déjà occupé. Donc il va partir avec le flux. Tenez-vous prêt pour une escorte. Hein. Ah, super. Je vous tiens au courant. Hein. L'hôpital de... Bah, pour le moment, restez comme ça. Je vous tenez juste vous prêt à faire une escorte. Je vous retiendrai au courant. De l'hôpital de quel code postal, vous savez? L'hôpital de Nice. Le code postal, c'est le... 1047? Ouais, c'est ça. Reçu. Donc ça sera une prise en charge. Ça serait une prise en charge donc là-bas. Et il faudrait l'amener. Il faudrait l'amener, il me semble. Je vais confirmer tout ça. Il faudrait l'amener à la. Comment dirais-je? Sur la piste de décollage, là, au 3037, pour qu'il soit évacué en avion sanitaire. 3037, c'est où ça? En ville? Non, c'est. Négatif. Auprès du lac, là, vous savez? Oui, voilà, près, en dessous du lac, là-bas. L'aérodrome? Oui, voilà, oui. Okay. Ça, exactement. Super. Je vous tiens au courant. Hein, super, ouais, on attend votre appel. Par contre, ils ont regardé la dépanneuse, ils ont complètement oublié de ramener ça. Impossible, ça. C'est lourd, cette merde. On dirait pas comme ça. Montrez-moi, adjudant chef, comment vous avez réussi à venir là. Comment? Montrez-moi comment vous avez réussi à obtenir ce grade. C'est ça. Vas-y. Rigolez. Voilà. Ah non, le commandant est parti, vous pourrez plus me montrer comment vous avez obtenu ce grade. Si, regardez. Il me regarde dans son rétro là. Il est là-bas. Attendez, je suis encore poussé dans ce cas-là. Oh, bah voilà. Nickel. On va se rapprocher tout doucement de. Oui, c'est bien reçu. De la ville. Reçu, je vous suis. Okay. On fait comment une fois à l'escorte, vous mettez devant, je gère la circulation ou inversement? On va faire comme d'habitude une moto qui va faire. Comment? Une qui ouvre et une aux intersections. Exactement, c'est ça. Allez, je vous suis. On met pas la sirène? Non, on va rester. Ouais. Ah, mais pendant l'escorte.
Ah, pour l'escorte, on mettra la totale, on mettra les gyros et deux tons. Bah attendez, il y a encore rien fait, hein. On nous a pas encore appelé. Hein. Ouais, peut-être qu'il va mourir d'ici là. Arrêtez de dire ça, mon Dieu. Oh, des soucis. Bon, on va pas prendre les vitesses, mais... Ouais, le feu, hein, madame. C'était limite, là. Vous avez freiné, comme vous voulez. Bémonis de autorité. Ah. Vas-y, réponds. Bémonis, à l'écoute, pour autorité. Oui, je viens d'avoir le directeur de l'hôpital de Nice. Il nous sollicite pour une escorte, pour un transport d'organes de l'hôpital de Nice jusqu'à l'aérodrome, qui est situé sous le lac. Là-bas, un avion sanitaire vous attend. Vous allez donc escorter une VLM du SAMU jusqu'à là-bas. Reçu, on se rend à l'hôpital. Bon, allez, c'est parti. Oh putain, oh là là, t'es chaud. Papa Chalet 222 de Pamis, pour nous contrôle terminé, retour en patrouille. Hein. Ouais, c'est bien reçu. Ah. Pas de signe. Ah. Vous pouvez couper votre ton. Bonjour. Eh hey, bonjour. Vous nous appelez pour vous escorter, c'est ça? Oui. C'est oui. Vous? Allez, hop. Oula. Bon, hop, on va mettre. Bon, bah, c'est parti. Du coup, je vous rappelle les procédures. Oui. Je serai devant vous. Vous allez me suivre. D'accord. Voilà, okay. Ne doublez pas. Mon collègue sera un peu plus en amont à 30-40 mètres. Et oui. on va faire écarter les véhicules. C'est bon pour vous? D'accord. Eh ben c'est parti. On va éviter de se... Bémonis pour autorité départ vers... On confirme Sandy Shore. Hein. Sandy Shore, c'est reçu. Eh ben c'est parti. On oui, va c'est bien reçu pour autorité. On va essayer de pas s'arrêter, messieurs. Nous sommes partis sur lui. Bémonis d'autorité. Vous restez sur place jusqu'à décollage de l'avion. Il y a un trafic d'organes important en ce moment. On prend pas de risque, vous restez jusqu'à décollage de l'avion. Reçu pour BMX. Latino. Pour accélérer parce que là qui me colle. Pour accélérer je pense. On va commencer à pouvoir accélérer moto 2. C'est toi,
colle, c'est bon. Serrez à droite, mon Dieu! Voilà, ça c'est serré à droite. Serrez à droite, serrez à droite! Bon. Une affaire rondement menée. Ouais. On vous a dit de vérifier que c'était bien transporté. Ah, ok. C'est rapide. Ah bah il a monté la glacière. Putain. Oh la vache, c'est déjà... c'est déjà envolé. Bon, ça s'est bien passé ? Ouais, ça va, et vous ? Après, oui. L'affaire, c'est un peu compliqué. Mais... oui, ouais, j'ai essayé de les écarter au principal, mais... non, mais c'est... la campagne, ici. Ça a été. Oh, il y a... deux routes, ça va, c'est calme. Ah, il y a... dégage, oiseau, là. Bon, on vous ramène ? Ça va faire un peu loin. Comment ? Je pense pas qu'on puisse vous autoriser, enfin, vous emmener avec les bleus, mais... Ah bah, demandez, après. Je te vois demander.